Aïe aïe. Malgré le fait qu'on est au mois de juin, il fait très fret. Moins de 10 degrés. Fait que c'est comme ça que débute la saison 2016 de camping. Au parc du Mont-Tremblant. Et c'est très cool. Il y a personne. Je suis tout seul. Il y a pas de garde à l'entrée. On fait ce qu'on veut. Et j'ai cette belle petite plage à moi, tout seul. Cheers. On part ça, il y a de la mouche pas à peu près, mais c'est paisible et c'est un départ. Très cool. Ouais, mais c'est quand même très cool, hein, pareil. Je suis en haut du belvédère, de la petite randonnée de la corniche. C'est pas très long, c'est pas très haut non plus, mais la vue sur le lac Monroe en arrière de moi est très, très cool. Et je vais en profiter pour me reposer un peu parce que hier soir, je me suis rendu compte en montant ma tente que j'avais oublié mes pieds pour mettre dans la tente et pour la faire venir. Donc, j'ai dormi dans mon VUS. Et pour un gars de 6 pieds 2, je peux vous garantir que c'est pas très agréable. Fait que là, je suis complètement tout seul. J'ai pas croisé personne. Le parc est pratiquement vide. J'ai tout le belvédère à moi tout seul. Fait pas trop chaud. Un petit vent. Pas trop de bébites. Très agréable. Et là, on va continuer un petit peu sur le côté. Il y a la suite de la randonnée qui fait la coulée et la roche. C'est d'autres belvédères un petit peu. Là, tu montes, tu descends. Fait qu'on continue ça. On en a pour une couple d'heures. Puis, on apprécie le beau moment. Tranquille. Finalement, il y a de la bébite un peu. Ouais. Plein de beaux oiseaux. À plus. Ouais, c'est quand même très agréable comme randonnée. Pas trop intense, pas trop abrupte, pas trop long non plus. Et là, je viens tout juste de quitter le deuxième belvédère, qui est celui de la roche. Il est plus haut que le premier et il est encore plus spectaculaire. La plateforme est très grosse. Et c'est là que j'ai pris le temps de manger un petit peu, puis contempler les vues du... Si on regarde là, très profondément, très loin, on peut même apercevoir le pic du Mont-Tremblant. Fait qu'on n'est pas si loin que ça. Donc, je continue ma promenade, là. Il nous reste peut-être un 2-3 km. Ça va être quand même tranquille. Il fait un peu plus chaud. On est bien, le soleil est sorti, fait que
C'est cool. Et tout au long du parcours, on remarque des petites bornes. Je pense qu'avec notre cellulaire, on peut aller en ligne et suivre, des descriptions des lieux. Malheureusement, j'ai plus de batterie, fait que je peux pas l'essayer. Mais rendu à mon auto, je vais recharger ça et je vais voir de quoi ça a l'air. C'est toujours intéressant en même temps que la promenade, de suivre un peu qu'est-ce qu'on voit. Et c'est peut-être des descriptifs sur les arbres là, ou des choses comme ça. Ou sûrement pour les bébites qui nous entourent, qui nous rentrent dans les oreilles et dans les yeux. Mais ça, c'est une autre affaire. Fait que... bye. On poursuit ça. On repart. Ouais, ben une autre belle rando ce matin. On est encore proche du parc du Mont-Tremblant, mais on s'en va monter le mont Éléphant, qui est direct en arrière. Pas trop haut, un petit 4,5 km. Fait que il y a un beau belvédère en haut sur une roche. Fait que on fait ça! C'est le programme à lui. Oui, c'est mon programme. C'est pour ça qu'on est ici. Un autre sommet.